Alors, dans la province de la Nyanga ou à Mayumba, les élèves ont reçu des cartables solaires. C'est un don de l'entreprise pétrolière BW Energy qui exploite le champ pétrolier de Doussafou, situé au large de la ville. Pour l'entreprise, ces sacs solaires permettront aux élèves d'améliorer leurs résultats scolaires. Sur place à Mayumba, Henrik Bokoko et Victor Mundunga. Sur la presqu'île de Mayumba, les élèves du primaire sont enthousiastes et pour cause, la réception de ces kits scolaires. Je suis vraiment heureux de ce que la société BW a fait pour nous. Chers donateurs, c'est au nom de tous les élèves de l'école publique communale de Mayumba que nous vous disons merci pour les kits scolaires que vous nous apportez. L'œuvre de la société BW Energy, qui en déclinant son programme RSE, allège un tant soit peu les parents d'élèves. Une action qui intervient peu après la pose des lampadaires solaires dans la ville. La société s'appelle BW Energy. Alors, mais justement, c'est cette société qui vient encore nous éclairer, nous donner encore de l'énergie. Et voilà. Bon, donc nous avons des lampadaires solaires. Aujourd'hui, nous avons des kits solaires. Alors là, c'est l'énergie qui continue. Le trio de dames de la société pétrolière BW Energy a fait le tour de toutes les écoles primaires, soit un enfant, un cartable solaire. Occasion tout indiquée pour mettre en évidence la spécificité de ces sacs. Une fois que l'énergie est emmagasinée, stockée dans cette batterie, à l'aide de cette lampe USB, une fois qu'il la connecte, elle s'allume. Ces cartables qui renferment des panneaux solaires apportent de l'énergie aux apprenants. Une lumière qui permettra à ces élèves de réviser davantage afin d'obtenir des résultats probants. Ici, à l'école catholique Sainte-Thérèse de Mayumba pour Gabon Première, Henrik Bokoko et Victor Mudunga.